Aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé hier. Hier, à la descente, en partant, en rentrant à la maison, je me suis arrêtée pour acheter de la chéquée, voilà, avec du poisson et tout, juste pour aller me régaler à la maison. Et arrivé. Vraiment désolée, aujourd'hui la connexion déconne. Alors, je disais donc, hier, en rentrant à la maison, voilà, je me suis arrêtée à un coin d'Adjégué pour payer de l'Adjégué pour rentrer à la maison, me régaler et tout. Et quand je me suis arrêtée, quand j'ai passé ma commande et tout, il y a un gars qui est venu tout bêcher. Non, c'est pas les enfants bizarres, ce sont les gens. Un gars qui est grand de taille, de teint noir, mais un bêcher quoi. Voilà, il est venu pour passer sa commande et tout aussi. Ah, moi, vous savez, dans le coin d'Adjégué là, c'est pas odeur bizarre qui se trouve dans le coin d'Adjégué. C'est soit odeur de poisson, soit odeur d'Adjégué. Voilà, un gars qui est venu s'arrêter avec, avec une odeur vraiment nauséabonde. Ça, ça me dépasse tellement. Parce que dans le coin d'Adjégué, normalement, c'est odeur d'Adjégué, on sent. Et puis, c'est odeur de poisson, on sent. Aussi, il y a l'odeur des oignons, du piment et tout. Mais odeur qui dégageait là-bas, là, en tout cas, ça, c'était pas odeur d'Adjégué ou bien odeur de truc. L'odeur était nauséabonde en fait. Après, j'étais à ça. Non, à ça. De ne plus manger d'Adjégué. Il dégageait l'odeur corporelle qui était vraiment nauséabonde. Vous voyez, quand il y a du poisson pourri ou bien de l'œuf pourri, des trucs comme ça, de la manière que ça sent mauvais là. Voilà, c'est le ça en fait. Ouh, voilà. Un garçon joli, mignon garçon comme ça, tu sens mauvais. Vraiment, sincèrement, ça gâte bien. Ça gâte. Voilà. Et vous avez aussi remarqué que de nos jours, il y a des enfants, même un enfant de 14 ans, 15 ans, 16 ans, a les maladies des vieux. Un enfant qui souffre de cancer, un enfant qui souffre de constipation, un enfant qui souffre de diabète, un enfant qui souffre même de calculs rénaux, d'insuffisance rénale et tout. Alors que dans les années passées, ce sont les vieilles personnes qui souffraient de ces maladies-là. Et puis aussi, dans les années passées, ce sont les vieilles personnes qui sont financièrement posées, qui souffrent de ces maladies-là. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer que même le pauvre mec qui n'arrive pas à bien manger a le diabète. Voilà. Mais qu'est-ce qui cause cela? Voilà. Qu'est-ce qui cause cela? Premièrement, c'est lié à la qualité de l'air que nous respirons. Il faut remarquer que l'air est pollué par les usines, les motos, les voitures et autres. Aussi, nous avons la qualité de l'eau que nous buvons. L'eau est polluée, l'eau est traitée, donc elle est polluée. Aussi, nous avons la qualité des aliments que nous mangeons. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, tout est OGM, tout est génétiquement modifié et tout est traité aussi. Voilà. Ensuite, nous avons aussi des modes de vie. Voilà, nous avons tendance à manger tard la nuit, nous avons tendance à boire tard la nuit et tout. Et ça, c'est pas bien. Aussi, nous avons remarqué que nous avons un manque d'activité physique qui est différent du sport. Voilà. Il faut faire la différence entre manque d'activité physique et le sport. Quand on dit manque d'activité physique, c'est pour dire ne marchons pas, même pour aller à la boutique, il n'est même pas à 5 mètres de chez nous, il faut prendre une moto. Voilà. Et avec toutes ces maladies qui naissent et tout là, quelle est la solution en fait? Mais la solution c'est spleen. Hein? Voilà, spleen, hein? Je crois que là, voilà, spleen. Hein? Spleen en liquide chlorophylle, là. Boisson alimentaire à la chlorophylle. Voilà, la solution c'est spleen. Et qu'est-ce que spleen? Spleen en effet, c'est un produit qui va soutenir l'organisme, qui prévient les maladies. Et même ceux qui sont malades, spleen va les aider à combattre cette maladie et à les guérir. Voilà. Il faut savoir, quand j'ai eu à dire que spleen, c'est une boisson alimentaire à la chlorophylle, c'est justement pour dire que le spleen contient en fait de la chlorophylle. Vous avez vu à l'école primaire que la chlorophylle, c'est en quelque sorte le sang des plantes. Voilà. C'est pour dire que sans la chlorophylle, la plante, elle ne vit pas, elle meurt. Voilà. C'est pour dire que par exemple la table sur laquelle j'ai déposé mes affaires et tout, elle est sans chlorophylle. Dès lors que je vais mettre de la chlorophylle sur la table, vous allez voir, elle va pousser des plantes, des fleurs, des feuilles et tout. Voilà. C'est pour dire que la chlorophylle est en quelque sorte le sang des plantes. Et d'où vient la chlorophylle qui est contenue dans le spleen? La chlorophylle qui est contenue dans le spleen ne vient pas de n'importe quelle plante. Ah ben non. La chlorophylle est extraite d'une plante du nom de mûrier blanc.
extrêmement riche en nutriments et en vitamines. Si vous pensez que je mens, allez-y taper sur Google mûrier blanc. Vous allez voir où elle ne mange jamais. Vous allez voir que le mûrier blanc contient des nutriments et des vitamines qui vont vous aider à guérir les maladies, à enlever les toxines qui sont remplies dans votre organisme. Voilà. Alors, que contient la chlorophylle? Pourquoi utiliser la chlorophylle du mûrier blanc exactement pour pouvoir fabriquer le spinach qui va vous aider à combattre le cancer, qui va vous aider à combattre le diabète, même à perdre du poids, vous pouvez utiliser le spinach. Voilà. Alors, le spinach et la chlorophylle plutôt contient du zinc. Voilà. Contient du zinc qui aide à la division des cellules et à la croissance de la cellule pour la guérison rapide des plaies. Voilà. Ceux qui ont tendance à avoir des plaies sur la peau et tout, voilà. Le spinach contient de la chlorophylle qui est riche en zinc. Voilà. Ensuite, nous avons du sélénium. Le sélénium fournit la protection contre les effets toxiques des métaux lourds et autres substances. Voilà. Ce que nous avons, nous avons tendance à gérer dans notre organisme tous les jours avec la qualité de l'air et tout. La chlorophylle est riche en sélénium qui va vous fournir la protection contre les effets toxiques de cet air pollué en fait. Voilà. Ensuite, nous avons la vitamine E qui nourrit la peau et garde le cerveau actif. Voilà. Mon gars du point d'Adjeké hier, là, ça là c'est très important pour toi. Ça nourrit ta peau. L'odeur nauséabonde que tu as eu à dégager l'autre jour là. Hier, là, franchement, tu as vraiment besoin du spleen hein, qui va nourrir ta peau. Voilà, qui va enlever cette odeur nauséabonde que tu dégages là. Voilà, et puis ça va aussi garder ton cerveau actif. Voilà, ensuite, la chlorophylle est riche en vitamine C qui promeut des dents, des gencives saines, accroît la vivacité et possède des propriétés anti-cancer. La chlorophylle est aussi riche en vitamine A qui aide à la formation et à la maintenance des dents saines, du squelette, des tissus molles, des membranes muqueuses et de la peau, raffermir le fonctionnement du cœur. Voilà. Il faut savoir aussi que la chlorophylle contient des protéines qui aident à la croissance et au développement spécialement chez les enfants et adolescents, maintient les cellules, les muscles, les tendons et les ligaments. Alors, au redevenu de la vidéo, j'ai eu à vous montrer la boîte spleen aussi, voilà, ça. Il y a des gens qui vont avoir, qui vont dire non, ça c'est pour les grandes personnes, les vieillards et tout. Non, détrompez-vous, c'est aussi pour les enfants et les adolescents quand c'est riche en protéines qui va aider à la croissance et au développement des cellules, des muscles, des tendons et des ligaments. Voilà. Aussi, la chlorophylle est riche en biotine qui aide à la synthèse des hormones et du cholestérol. Voilà. La chlorophylle est aussi riche en acide folique qui agit comme enzyme avec les vitamines B12 et C dans le détail et la synthèse des protéines. Riche en acide pantothénique. Pantothénique est essentiellement dans la synthèse des hormones et du cholestérol. La chlorophylle est riche en calcium, vous avez vu ça, en troisièmement, qui va maintenir les dents et les os sains. Voilà. Onzièmement, la chlorophylle est riche en chrome, qui stimule l'acide graisseux et la synthèse du cholestérol et un activeur pour plusieurs enzymes. Voilà. Ah, il y a plusieurs bienfaits de la chlorophylle. Hein. Ensuite, douzièmement, la chlorophylle est riche en phosphore, voilà, qui assiste à la contraction des muscles dans le fonctionnement des reins, le maintien de la régularité du battement cardiaque. Voilà. Tous ceux qui ont des problèmes de calcul de rénaux, qui ont des problèmes d'insuffisance rénale, il faut venir chercher votre boîte, hein. Spleen, liquide, chlorophylle, car ça contient du phosphore qui assiste à la contraction des muscles dans le fonctionnement des reins. Voilà. La chlorophylle est aussi riche en potasse. Elle est nécessaire pour la formation des muscles et une croissance normale du corps. Avant-dernière richesse, la chlorophylle est riche en magnésium qui aide à la relaxation et la contraction des muscles. Voilà. Tous ceux qui passent dépenser leur argent dans les coins de massage et autres, là, venez chercher Spleen Liquide Chlorophylle car elle contient du magnésium qui va aider à la relaxation et la contraction du muscle. Voilà. Et 15e, la chlorophylle est riche en fer. Vous l'avez vu en 3e.
Le fer est essentiel à la formation de l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans le sang et dans les muscles. Alors, au regard de toutes ces richesses que regorge la chlorophylle, qui doit boire la chlorophylle liquide? Les personnes qui doivent boire la chlorophylle liquide sont celles qui ressentent souvent la chaleur, les personnes qui ont des problèmes de foie, voilà, les personnes qui ont des problèmes respiratoires, les personnes qui souffrent de rhumatisme. Quand on parle de rhumatisme, on ne fait pas référence au rhume, on fait référence à ceux qui ont des problèmes d'os et tout, voilà. Ensuite, les personnes qui souffrent d'anémie, les personnes qui ont un teint pâle, voilà, vous avez tendance à voir dans les films, les blancs qui ont un teint pâle, ça veut dire le teint devient un peu blanc, qui tend vers, on peut vers le bleu, un truc comme ça, voilà. Ensuite, les personnes qui ont des problèmes de poids, voilà. Il faut arrêter de dire que le sport, ça va m'aider à maigrir et tout. Le sport, ça va te prendre beaucoup de temps. Et puis, à un certain moment, tu vas te sentir fatigué. Tu vas dire, voilà, j'abandonne. Quand tu vas voir qu'il n'y a pas d'effet et tout, tu vas dire, j'abandonne et tout. Alors que le spleen, hein, lorsque tu vas boire le spleen, hein, tu vois, en fait, les effets en quelques semaines. Voilà. Ensuite, les personnes trop maigres. Les skinny là, ceux qui pensent que non, je suis skinny et autres là, ça me plaît d'être mère et tout. Alors qu'il y a d'autres qui souffrent vraiment de la minceur, qui sont trop maigres et tout. Skinny est là pour toi. Ça va t'aider en fait à avoir un peu de graisse et tout. À avoir une taille un peu skinny, skinny un peu à poutou. Ensuite, les personnes trop grosses. J'avais dit en haut, les personnes qui ont des problèmes de poids, les personnes trop grosses. Spleena, liquide, chlorophylle est là pour toi. Ensuite, les fumeurs et ceux qui boivent des boissons alcoolisées constamment. Il faut arrêter de prendre de l'œuvre crue tous les matins pour dire que non, ça va nettoyer ton ventre et autres, ça va nettoyer tes poumons et autres. C'est faux. Hein. Ça te crée des problèmes digestifs et tout. Donc, le spleena est là puisque nous avons dit que le spleena va contribuer à dégager les toxines en fait, voilà. Ensuite, nous avons ceux qui n'aiment pas manger les légumes. Vous avez pendant les publicités à la télévision, il est conseillé de manger 5 légumes et fruits par jour. Maintenant, ceux qui n'aiment pas manger les légumes et autres, venez chercher spleen, voilà. Ensuite, ceux qui souffrent de constipation, aller aux toilettes, c'est devenu un problème pour toi. Quand tu regardes, quand tu vois les toilettes devant toi, tu commences à transpirer, tu commences à avoir peur parce que j'ai des problèmes de constipation et tu penses que non, prendre des produits, je ne sais pas, parabolique, tout ce que tu veux, ça va t'aider à dépendre de la constipation. Eh bien non, mon frère, ma soeur, liquide, chlorophylle, spleena, c'est ta solution, c'est ton sauveur. Ensuite, celles qui souffrent de douleurs menstruelles, ça c'est pour les femmes. Mais aussi pour les hommes qui sont galants, qui vont venir chercher spleena pour leur chérie. Voilà. Ceux qui souffrent de douleurs menstruelles, arrêtez de prendre ce que vous appelez quoi, ibuprofène, ou bien certains même qui s'adonnent à prendre le paracétamol pour dire que ça calme les maux de bas ventre et tout. Liquide, chlorophylle, spleena. C'est la solution. Voilà. Je ne vais pas arrêter de dire liquide, spleena, liquide, chlorophylle, spleena. Voilà, je vais vous utiliser avec liquide, chlorophylle, spleena. C'est très important. Ensuite, ceux qui souffrent des angines, voilà. Arrêtez de prendre du citron, ça n'est pas du tout. Arrêtez de prendre ce que vous appelez cristaux de menthe, ça n'est pas aussi. Hein. Venez chercher liquide, chlorophylle, spleena. Ensuite, les personnes dont le corps dégage des odeurs, une mauvaise haleine. Et je vais attaquer mon gars, t'as checké là encore. Mon gars, ça là c'est pour toi, viens chercher spleena chlorophylle. Si tu viens avec la voix live, on va faire une promo spéciale pour toi. Et on va te livrer le liquide spleena chlorophylle gratuitement pour toi. Même si tu as à Sabah, à Boissé, où tu te trouves, on va faire la livraison là, gratuitement pour toi. Parce que franchement, l'odeur que tu dégageais hier là, sincèrement dit. Même si tu peux cacher, là, ça pénètre dans l'intérieur. Là. Viens chercher. Spleena, liquide, chlorophylle. C'est pas seulement pour ceux qui ont des maux, qui dégagent des odeurs corporelles, la mauvaise haleine aussi. Arrêtez de croire que non, chez moi, simple, chez moi, Hollywood, ou bien quoi, ça va vous aider. Alors là, je suis vraiment désolée, mais lorsque tu vas acheter chez moi, la mauvaise odeur, là, ça va devenir encore. Donc, s'il te plaît, viens chercher ton liquide, chlorophylle, spleena, s'il te plaît. Voilà.
je te le demande très sincèrement. Si tu viens la même, on va te faire une promotion spéciale, une consultation gratuite et aussi une livraison gratuite, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Tiens, chercher. Ensuite, les personnes très occupées et sous stress. Les étudiants, vous êtes très occupés avec l'école et tout, vous êtes sous stress et tout, avec les devoirs, les cours, allez faire 8 heures de cours par jour, 9 heures de cours, 12 heures de cours, même, et bien, viens chercher. Spring and Diplomophile, c'est pour toi. Voilà. Les personnes qui se fatiguent facilement, ces personnes-là, même pas. Il faut venir, on va te donner liquide, chlorophylle, spring là. On va faire une réduction pour toi. Moins de choses que tu fais, tu es fatigué. Te lever, aller enlever de l'eau au réfrigérateur, là, tu es déjà fatigué. Pardon, viens chercher spleen, indiquer chlorophylle, c'est pour toi. Voilà. Ceux qui mangent souvent des morts, vous avez des problèmes. Ta maman ou bien la fille que vous avez eu à engager chez vous va se fatiguer pour préparer la nourriture. Toi, tu vas te lever tout bonnement pour aller chercher la nourriture dehors. Et, pardon, viens chercher spleen, indiquer chlorophylle. Quand je vais prendre ça, ça va te donner de l'appétit. Tu n'auras même pas le temps de démarrer ta moto, aller jusqu'au bord de la route là, pour chercher de la nourriture. Dès que tu rentres à la maison, la nourriture est prête là. Tu prends ton assiette, tu ouvres le plat là, tu enlèves la nourriture, tu manges. Voilà. Mais attention, 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 attention. C'est vrai que j'ai eu à citer, j'ai eu à donner une liste de personnes qui ont besoin de la chlorophylle liquide, mais il faut savoir que tout le monde peut boire la chlorophylle liquide. Mais ce dont j'ai eu à citer ici, c'est ceux qui ont urgentement besoin de la chlorophylle liquide. Voilà, c'est ceux qui ont urgentement besoin de la chlorophylle liquide. Par exemple, tu es là, par exemple, ceux qui dégagent des odeurs vraiment nauséabondes. Voilà, toi, tu as vraiment besoin de la chlorophylle liquide immédiatement, en urgence. Alors, tout le monde peut boire la chlorophylle liquide. Même un bébé peut boire la chlorophylle liquide. Un enfant peut boire la chlorophylle liquide. C'est très bon pour la santé, c'est très bon pour éliminer les toxines et tout. Voilà, mais vous savez que les enfants ont tendance à ingérer tout ce qui bouge, tout ce qui croise sur la route et tout. Voilà. Donc, c'est très important de signifier tout ça pour vraiment parce que non, tout ce que j'ai eu à citer, voilà, je ne suis pas concernée, je ne vais pas aller chercher. Non, non, non et non. Tout le monde peut boire la chlorophylle liquide. Voilà. Et ceux qui se sentent concernés par la liste que j'ai eu à donner de suite, viens passer ta commande immédiatement, aujourd'hui même. Parce que non seulement tu vas bénéficier d'une promotion spéciale, mais aussi d'une livraison gratuite, mais aussi une consultation gratuite pour voir d'où vient le problème, pourquoi tu dégages une mauvaise odeur corporelle, pour ne pas, après avoir utilisé le liquid spleen, aller reproduire les mêmes erreurs, les mêmes bêtises et tout. Voilà. Alors, nous sommes à la fin de notre première vidéo. Je vous avais donné rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de la vidéo qui va vous donner les bénéfices de santé de la chlorophylle. En fait, il y a plein de surprises. Donc, ne ratez pas la deuxième partie la semaine prochaine. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations ou bien si vous voulez passer la commande, contactez le numéro qui s'affiche en haut. Alors, je vous souhaite une très 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 bonne journée ou soirée et on se retrouve à la semaine prochaine.